Ce dimanche 7 avril, le soleil a pointé le bout de son nez tôt le matin, alors que le parc du centre socioculturel fourmillait de bénévoles. Ce sont 120 bénévoles qui sont venus donner de leur temps pour une organisation parfaite de la 24e édition de la Marbichonne, minutieusement orchestrée par la MJC. La première halte pour les marcheurs et vététistes était de se rendre sous le chapiteau pour remplir leur bulletin d'inscription ou retirer son bracelet pour ceux qui se sont inscrits par Internet. Pendant près de 3 heures, les bénévoles du pôle inscription étaient concentrés. Il y a eu des heures de pointe, souligne Séverine, mais pas de panique, nous sommes habitués à gérer la situation. Les plus sportifs étaient déjà présents à 7h30, prêts à affronter la complexité des parcours, soigneusement préparés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, par les équipes de traçage. Quant aux vététistes qui étaient arrivés très tôt pour se lancer dans les chemins sinueux, tout en montée ou en descente, ils avaient le choix de parcourir 15, 25, 35 ou 45 km pour les plus endurants. Le lard grillé, c'est une institution à la Marbichonne. Elle est aussi réputée pour cela. Victime de son succès, on a été à court de lard, reconnaît Olivia. L'année prochaine, nous reverrons les quantités à la hausse, promet-elle. No time.
ça tout le temps. Allez, vous m'avez dit dans le chemin là. Il est où ton chemin là? Muni de bâtons, lunettes de soleil et casquettes vissées sur la tête, tous sont partis arpenter les chemins de forêt. La bonne humeur régnait tout au long des parcours. Mais alors, t'as les cheveux, mon frère, je suis vulgaire. Oui. Ah. J'ai tellement de vacances à poser. C'était un lâcher de marcheur. Après l'effort, le réconfort, vous en faites pas. Vous pouvez sourire. Il y en a plein. Ah ouais. Mais c'est bon pour... Try to make me go.
Oh non, je serai embêté après. Non, mais moi je regarde la tombée. On applaudira. Voilà, voilà. Alors au naturel, c'est Maton Dimas. Dimas, madame. Très tôt le matin, les équipes de bénévoles avaient pris soin d'installer leur stand de ravitaillement qu'il a fallu achalander. Ils ont disposé les tables et bancs à proximité et non loin de l'orchestre. Après l'effort, le réconfort. Pour reprendre des forces, dans chaque stand installé dans une clairière, un large choix d'aliments était proposé, comme du chocolat, de la brioche, des fruits secs, du fromage, du pâté, du pain d'épices. Et pour se désaltérer, des boissons froides et chaudes étaient servies. Le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses, il a envie d'autre chose. Ah, et on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. À qui répond les étoiles? De ces cartons d'emballage, pour les cons alors qu'on est, les foules sentimentales, on a pas l'idéal, attiré par les étoiles, les voiles brutes, que des choses pas commerciales. Une animation musicale dans chaque stand a réjoui les sportifs qui n'ont pas hésité à faire une longue pause, parfois très longue, pour écouter la musique ou même emboîter quelques pas de danse pour certains. Ça va. On est bientôt arrivé. Ouais, c'est un peu dur hein, quand même, non? La descente. Hein, les descentes. C'est les descentes en dernier là. Ah oui. Bonjour. Arrive, la son. Thank you.
Non, quoi, 10 km. Bonjour. Participant a eu l'agréable surprise de recevoir un mug collector de cette 24e Marmichon. Ah oui, oui, c'est super. Et la coco, elle n'est pas venue, elle. Corinne. Cette belle aventure de partage, de convivialité et de bonne humeur restera longtemps dans les mémoires. À la clôture des inscriptions, le chiffre est tombé. 1245 participants ont foulé les chemins de la forêt. 534 vététistes, dont 120 enfants de l'école Cyclo, et 711 marcheurs, contre 1129 participants en 2022, soit 116 de plus. Bravo! Une belle satisfaction non dissimulée pour l'équipe organisatrice et les piliers de l'organisation, les bénévoles et les sponsors. Tout espoir est permis, dit Philippe Guerlot, le président, avec un grand sourire, car il espère battre l'année prochaine le record de participation de 2017, enregistré avec 2500 personnes au départ. L'équipe organisatrice et les bénévoles ont été encensés de compliments et de félicitations. Ça fait chaud au cœur, reconnaissent Philippe, Olivia et Daniel, qui en profitent pour passer le message et remercient chaleureusement tous les bénévoles et les sponsors. La prochaine, 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 la prochaine,
Place maintenant à la préparation de la 25e édition avec probablement de nouveaux parcours. À Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français, lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. Devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leurs efforts héroïques, à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libre ou à mourir. Caballot Henri. Nom de la France. Duménil François.
Escassu Maurice, Amel Henri, mort la France, Mini Victor, Monet Henri, Neveu René, mort pour la France, Petit Louis, Racine André, Schraff Lucien, mort pour la France, Semels Roland, Simonin Armand, Talon Jean, mort pour la France, Vignol Jean, Durer René, mort pour la France. De réserve, route active. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers amis Marbichons, merci de votre présence. Cette cérémonie s'achève. Les temps sont à la réflexion, bien sûr, avec ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres de chez nous, tout près en Europe, et puis les élections qui s'approchent aussi, les élections pour une Europe qui, on l'a rappelé dans le discours, est un gage de liberté et de protection pour la France et tous les pays européens. Il faut y penser. Voilà. Je vous remercie encore de votre présence. Je vous rappelle, parce que les bénévoles m'ont demandé de vous le rappeler, qu'il y a une vente de fleurs devant la mairie. Ça participe au fonctionnement des écoles. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de fleurs, évitez d'aller chez Jardiland ou ailleurs. C'est le bon endroit aujourd'hui. Voilà. Encore un grand merci à tous. Et puis je vous invite à suivre la cornemuse de Thierry et le tambour de Renaud jusqu'à la mairie où je vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci. Mais puisqu'on va tous s'appuyer,
Oh la vache. Le pain et le vin sont gratuits. La mairie de Bois-Riche, même pas de vélo qui coupe. C'est la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de vol.